Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Fancy Gaming et on se retrouve sur SimCity 5 pour un nouvel épisode et nous allons tout de suite faire le pétrole. Vous savez que bien, si vous n'avez pas vu le dernier épisode, nous allons maintenant, après avoir fait la mine de minerai et la mine de charbon, nous allons tout de suite faire une exploitation pétrolière. Pourquoi pétrolière? Parce qu'on aime l'argent, tout simplement. C'est pour ça que nous allons tout de suite aller dans l'entrepôt commercial et mettre un lieu de stockage de pétrole. Est-ce que vous avez compris? Je laisse la parole à Jimmy qui s'appelle Francis. Et attention tout le monde, je reviendrai sûrement en fin d'épisode. Achou! Bon, après un monsieur qui s'est introduit dans ma vidéo. Non, en vrai, c'est moi. Hein. Oh putain, je ferai un bon imiteur. Oh, j'ai dit un gros mot. Mass dislike pour le gros mot. Non, non, faites pas ça, s'il vous plaît. Faites pas ça. Oui, j'ai essayé de ne pas dire le plus de gros mots parce que c'est nul. Enfin, j'essaie de ne pas en dire trop, hein, tout le temps. J'essaie de ne presque pas dire de gros mots, parce que déjà c'est pas bien de dire des gros mots, c'est pas gentil. On dirait, ça fait rire quand je dis ça. Et voilà, il faut être respectueux avec tout le monde, et faut pas que, parce que je sais que j'ai quand même beaucoup de gens qui me regardent qu'ils ont plus de 18 ans, etc. Enfin, 60%. Mais je reste tout de même que je sais qu'il y a des personnes, des jeunes, des très jeunes qui me regardent. Et je me dis que non, non, on va pas leur faire du mal. On va pas leur apprendre des gros mots qui veulent strictement faire du mal aux autres. Même si parfois ça fait du bien d'en dire. Mais c'est pas conseillé. Alors, le mieux, c'est de ne pas en dire. Et dites pas que c'est moi qui vous en dites, parce que sinon vos parents vont me taper. Et c'est pas gentil de taper ses parents. Et vous savez, hein. Et moi, je suis gentil. Oh, ça, biloup. Tu, 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 tu. Alors. Oh. Oula, ça va être dur ça. Plus tard. Serait-il possible d'avoir un siège commerce? Blablabla, c'est bon. Alors, pétrole. On va diversifier dans le pétrole. Pétrole. L'amour du pétrole. Le pétrole, c'est toute ma vie. Pétrole, c'est toute ma vie. Et là, vous avez été strike. Parce que vous avez chanté. Non, vous avez cantonné, je sais pas si ça se dit, une musique de Nintendo. Oui, puisque Nintendo n'aime pas qu'on reprenne leur musique. D'ailleurs, si vous faites des vidéos sur Nintendo, vous verrez que Nintendo n'approuve pas. Hein. Ils vont vous mettre un... Enfin, ils vont pas vous mettre un strike, ils vont vous dire « Stop! Tu n'as pas le droit de la monétisation !» Après, toi, t'es obligé de faire « Ok !» Sinon, tu vas mourir. Si tu dis que t'as vraiment les droits, ben, tu vas mourir parce que t'as pas les droits. Sur une musique de Nintendo, t'as pas les droits. Et c'est tout à fait normal.
Donc, oui. Mais après, SimCity, EA, ils sont très reposés, ils acceptent qu'on. Ils acceptent. Enfin, je pense pas qu'ils acceptent, mais. En tout cas, ils ne mettent pas, enfin, ils ne strike pas, enfin, ils ne demandent pas au robot YouTube de dire. Cette musique, cette piste musicale nous appartiennent. Donc, chaque vidéo qui la contienne, tu leur mets un beau petit strike de notre part, ou pas. Et ils ont pas le droit de le faire parce que c'est pas gentil, tu vois, monsieur YouTube. Donc, c'est pour ça que on est au mince. On a besoin d'argent. Ah mince, j'avais pas fait attention. Oh zut. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu d'argent? Merci. Comme ça, on peut rouvrir. Hop. Voilà, on rouvre. Parce que j'avais pas vu qu'on était comblé de dettes. Non, j'avais pas vu qu'on descendait si bas. Oh là là, j'étais choqué. Choqué et déçu. Choqué et déçu. C'est comme dit Aurélien Sama, choqué et déçu. Je suis choqué et déçu. Donc on exporte aussi du pétrole. Ça, pour l'instant, ça pompe très bien. On va mettre quand même un petit. Oui, mais. Oui, monsieur, mais. Mais on va mettre ça là, écoute. Ça fait plaisir. Alors, au niveau du chômage, normalement, il n'y en a pas. Ah! Oh! Ça tombe, ça fait pas plaisir, ça. Ah, du pétrole. Vous sentez l'argent couler? Moi, je le sens. Je le sens, cet argent qui coule dans mes veines, qui coule dans vos veines. Parce que vous le sentez. Mais oui! Concentrez-vous sur l'argent, concentrez-vous sur le pétrole, le liquide noir qui descend dans vos veines et qui apporte une énorme satisfaction parce que à la fin, vous sentez, vous admirez, vous aspirez cette YouTube monnaie. Non, je rigole, cette Simflouz monnaie. Et oui, respire ça. Respire-moi ce butin d'argent. Un butin. Un butin d'argent. J'espère que les gens ne vont pas croire autre chose. Alors, il n'y a pas un prix. Non! On a de plus grosses industries, mais il y a du chômage. Oh, c'est pas une bonne chose, ça, le chômage. Le chômage. Quelque chose qui fait mal aux poumons parce que le chômage ça fait mal tout comme l'espoir de perdre toute proportionnalité dans l'exploitation agricole. Oui, mesdames et messieurs, je suis en train de dire n'importe quoi, donc vous devez me croire, moi, président de la Russie avec Vassili Sloutine. Vous devez m'écouter parce que. Ouh, j'aurais pas dû faire ça. Plutôt le ce comme ça, c'est mieux. Alors je fais plein de bêtises hein, aujourd'hui. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Hein. J'ai trop bu d'alcool. Il faut que je me calme. Pourrions-nous avoir une échange, une transaction financière? Oui, bon, un peu plus grosse, à part du charbon. Je suis sûr que c'était du charbon. Est-ce que le pétrole pourrait. Se vendre. Ah, c'est pas du pétrole. Ah si, c'est du pétrole qui s'est vendu. Il nous faudrait encore. Ah. Il nous en faudrait encore. On va en mettre un ici parce que je crois que ça donne de l'argent.
La musique est tellement sexy. Tu 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 tu. Dites-moi, le minerai, il se vend ou pas? C'est Zarbi, hein. Oh. On va relier ça à là. Ah. Ah, on peut pas. Ah, je l'ai mal placé. Suis-je bête? Nyeh. Bon, je voudrais bien tracer. Non, non, il veut pas. Hein. Il est capricieux. Mon terrain, c'est régulier. Ta 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 ta. Mon terrain, il est régulier. Ta 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 ta. Manque de personnel. Pénurie d'eau. Maquet, maquet, il y a encore des problèmes. Hein. Maquet, c'est pas normal. Ah, c'est pour son activité. Normalement, il n'y a pas de normalement, il y a des chômeurs. Hein. Voilà, il n'y a pas beaucoup de postes vacants. Hein. Donc, c'est pas normal. Hein. C'est difficile de trouver de bons dirigeants de nos jours. Mais si, je suis un bon dirigeant. C'est bon, soyez gentil avec Bibiche. Bibiche, vous a rien fait. Faudra mettre un autre entrepôt commercial parce que le mien, il est un peu... Ah non, la mine de charbon est encore morte. 10 mois d'extraction et là 5 mois. Ok. Possible. Faudra qu'on agrandit un peu notre réserve pétrolière. Enfin, au niveau du pétrole, ça va. Mais au niveau du charbon et du minerai, faudrait qu'on fasse encore quelques mines de plus. Parce qu'on en a bien besoin. On y va! Olé! Au feu! Alors, il faudrait qu'on mette un nouveau centre. Un entrepôt commercial. Et où est-ce qu'on pourrait faire la route? C'est ça le plus important, la route. Sur ma route. Ok. On va rien dire. Non, on est obligé d'aller là. Bon, ben on va être ici. Hein. On va mettre pétrole. Non, on va casser ce truc là. Parce qu'on en a déjà un là. C'est pour les entreprises qu'ils écoulent leur. Non, c'est pour les industries pour qu'ils écoulent leur. Hein, pour leur. Leur matière. Enfin, tout ce qu'ils veulent vendre. On va mettre ça. Et on va mettre ça. Pour le moment, ça va être ça. Exporter. Exporter, exporter. Voilà, donc ça c'est fait. On va mettre des camions de transport. Voilà. On en a un peu, comme ça, ça vendra un peu plus. Ensuite, il faudrait qu'on mette notre siège commerce. On va mettre notre siège commerce plutôt par là. C'est plus intéressant. Tout de même. Je sens que je ferai une bêtise si je le mets là. On va plutôt le mettre ben, en bord de route. C'est marrant ça. Ici il n'y a rien et ici il n'y a rien. Ok, ben, on va le mettre en bord de route. Bienvenue. Oh, j'aurais pu faire un port commercial direct. Sérieux. Ah ben je peux l'améliorer. Boum. Au niveau pétrolière, on va faire... On va mettre de la... On va quand même laisser de la place. On va mettre ici au pétrole. Il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de minerai, il n'y a pas de pétrole. Enfin, si, il y a un peu de minerai, mais presque pas. On va l'améliorer. Donc, on pourra faire une fonderie. Non, c'est une fonderie, c'est en métallurgie. En métal. Ici, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de ça. Donc, on va le mettre ici. Bam. Est-ce qu'on a besoin de l'améliorer? Non! C'est très c'est presque parfait! S'il vous plaît! Oh non! Il y a un monstre! Il y a Godzilla! Oh non! Il est où Godzilla? Non, 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 non! Pas là, pas là, pas là, s'il te plaît! Non! Pas en haut! Non! Hein?
salaud. Non. Mon industrie, non, ma décharge. Bah, la décharge est écrasée normalement. Ok, il y a les gens, ils sont en recharge, mais bon. Mais non, ma mine de charbon. Vas-y. Bon, au niveau du commerce, ça donne quoi? Tu peux partir, Godzilla. Oui, t'es beau, t'es beau. Mais il est pas mort, il est juste parti. 16 victimes? Ah ouais, je peux comprendre. Mais non, ça doit en faire beaucoup plus de victimes. MDR. Bon, ben on doit tout replanter. Ben c'est génial. Sympa le petit lézard. Je crois qu'il l'appelle Godzilla. Dans le jeu. Allez, hop, on met ça. On va en mettre 3 comme avant. Vas-y, Godzilla, il est chiant. Pas possible. Sniff. Sniff, sniff. Bon, ça va. Au niveau du pétrole, il n'a pas touché. Hein. C'est le plus important, c'est Monsieur Pétrole. On va mettre notre division raffinage. Faudrait qu'on le mette. Ça coûte super cher, hein, division raffinage. Ils perdent pas patience. Oh, bah ça va, on a des postes. Ils peuvent s'agrandir, hein. Toutes les maisons peuvent s'agrandir. C'est bon, hein. On a du travail pour tous, hein. Tout le monde a du travail. N'ayez aucune crainte. Il y a du travail pour tout le monde dans cette ville. Vous pouvez tous venir travailler. Damn. Alors, division métal, division électronique. Oh, ça peut être sympa, électro. Port commercial, lieu de stockage de processeurs, de téléviseurs et d'ordinateurs. Au port commercial. Mais pour faire... tout ce qui est électronique, si je ne m'abuse, faut... Ça va être trop dur pour faire de l'électronomique. Enfin, électronique, parce qu'il faut que les industries soient très... Enfin, soient très développées. Ce que je veux dire, c'est que technologiquement, elles doivent être à cette étape ou à cette étape. Et pour ça, il faut des universités, etc. Donc, ça coûte trop cher et j'ai pas envie. J'ai envie que ma population soit bête. Sympa. Hécatombe. Pourquoi il y a eu... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi hécatombe? Fermé pour manque de main-d'œuvre. Ah. Bon, en tout cas, la mine de charbon produit, c'est le plus important. Au niveau du forage, il nous faudrait... Un peu plus en mine là. On a besoin un peu. On va mettre ça là. Oh non, je l'ai mal placé. Non, 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 non. Oui, je vais démolir ça. Non, personne travaille. Je m'excite pour rien. Voilà, là c'est bien placé. Et encore. Bah, c'est plus intéressant de le faire là. Ouais, comme ça on exploite un peu tout et ça sera bon. Hein. Hop. Fermé pour processus d'embauche. En tout cas, ils ont du travail, c'est le plus important. Plus ça s'agrandit, hein, les petites maisons. Hein. Avant, on n'avait pas tout ça. Ils sont contents. Moi, je suis content. Au niveau du commerce, ça tourne bien.
Niveau du pétrole, du commerce, ça va. Qu'est-ce qui se passe au niveau du pétrole? Lieu de stockage plein. Ah mince, j'ai pas de camion de transport. Oh, c'est une perte d'argent. On va mettre là. Pardon pour le micro. Ça produit toujours pas. Y a pas assez d'emplois. Enfin, y a pas assez de gens. Ouais, ça construit, ça va. Il y aura un peu plus de gens. Je m'inquiète pas. C'est long, hein, se créer les petites maisons. On va mettre ceci. Comme ça, notre décharge va pas trop être complet. Vu que notre ville s'agrandit. Bon, là, il y a un peu plus de gens, donc ils peuvent aller travailler là. Non, parce qu'il y a un problème d'eau. Pourquoi? Les bâtiments ont besoin d'eau. On produit pas assez d'eau? On va devoir adapter à ça maintenant. Ce qui est malheureusement obligatoire. Oh, notre ville, elle va ressembler à rien du tout. Où est-ce que je pourrais le mettre? Je vais le mettre là. De toute façon, je vais tout remplacer par des. Qu'est-ce qui se passe? Je vais tout remplacer par des méga tours à la fin, donc pas trop grave. Service de pompiers plus tard. Il y a des problèmes. Ça va. Ah non, ça va pas du tout. Bon, celle-là, elle va être cassée, c'est pas grave. Ouh, c'est pollué ici. Berk, j'aimerais pas habiter là. Hein. Fermé pour coupure d'eau. Au niveau de la police, ça donne quoi? Quand la nuit vient. Que se passe-t-il quand la nuit vient? Au niveau de l'arche. Il y a des rues. Rapport mensuel sur le commerce. Ouh, j'ai gagné plein d'argent. Bah ouais, on peut pas diversifier notre siège métal puisque nos trois. Ah, en activité. Oh, c'est bien ça. Ah, on va pouvoir vendre un peu plus. Est-ce qu'on a mis nos. Oui, on les a mis. Rapport mensuel sur le forage. 418 000 hein, dollars, c'est très bien. Peut faire beaucoup mieux pour tout ce qui est métallurgie hein. On peut faire beaucoup mieux. Alors au niveau, oh ben on gagne 427 379 simflouz et encore on gagne beaucoup plus puisqu'on vient d'ouvrir enfin nos trois mines de métallurgie viennent de s'ouvrir puisqu'il y a eu un problème. Donc là, on gagne plein de pognon. Hein. Là, on gagne. Hein. À part si je suis très débile, normalement, on tombera pas dans la panache. Aussi, grâce à cet argent, je vais pouvoir aider notre ville qui est... Comment elle s'appelle déjà? J'ai totalement oublié. Franciland. Voilà, on pourra aller à Franciland. Pas mal.
pourra donner un peu d'argent, du genre 1 million. Voilà, dur 1 million, c'est pas beaucoup. Bah, pour l'instant, pour nous, c'est un peu beaucoup parce qu'on ne dépasse pas, mais ça va devenir rien du tout 1 million. Hein. Vous inquiétez pas, je sais très bien ce que je raconte. Ah, Casper qui me dit un petit truc sur mon deuxième ordi. Je voudrais bien qu'on augmente notre siège métal avant de partir de l'épisode. Pour que la fin de l'épisode s'annonce. Nye. Oh bah non, c'est devenu super moins cher. Le pétrole aussi, mais what? C'était à 16 000 et là c'est à rien du tout. Ah, je suis triste. Ah, mais c'est nul. Ah, mais c'est pourri. Comment je fais moi si j'ai pas tout cet argent? Moi, il me faut ma division raffinage, hein. Les mecs, bonjour. Besoin de division raffinage, please. Tout de suite, quoi. S'il vous plaît. Bon, au niveau du... Ah, on n'a plus nos problèmes d'obligation. On va mettre nos impôts un peu plus. Voilà, comme ça, on... les gens devront un peu plus payer. Hein. On a besoin d'argent, je vous le rappelle. Parce que on est toujours en profit, on perd. Mais sinon, grâce à toutes nos ventes de pétrole brut, etc., on gagne beaucoup d'argent. Et heureusement, d'ailleurs. Niveau de l'eau, y a-t-il des problèmes? C'est au niveau du prout-prout hein, où il y a des problèmes. L'électricité, ça passe. Pour l'instant, on n'est pas trop dans le... Dans le... Caca. Oh, il est beau le petit bateau, c'est un yacht. Non, c'est même pas un yacht. Peut-on améliorer le siège métal, s'il vous plaît, d'urgence? Nous avons besoin du siège métal. Nous avons besoin de siège métal en amélioration. Je répète à toutes les compagnies aériennes. Nous avons besoin de l'amélioration du siège métal. Merci. Beaucoup. Je vous aime. Bon, à la fin de cette journée, nous allons nous quitter parce que cet épisode doit durer un petit peu. Il doit faire 25 minutes à peu près, je pense. C'était un bon épisode, j'ai bien aimé. On est calme et je fais un peu le fou, mais sinon c'était assez calme. C'est sympa, ça fait du bien. Ah oui, là ça augmente, enfin. Allez, vendons plus. On peut faire plus. 149 000. Wouhou. 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 Il va devenir fou. Afflelou. Il est fou, Afflelou. Oui. On l'a amélioré, enfin. On pourra faire notre division fonderie. Pourquoi faire la fonderie? Puisque grâce à la fonderie, on pourra vendre de l'alliage. Et l'alliage, ça se vend beaucoup plus cher. Et comme l'alliage ça vaut à peu près 50 000 dollars, simflouz, pas dollars. Donc, comme la matière première ne vaut presque rien, on pourra détruire nos mines et pouvoir vendre que spécialement du charbon et du minerai. Voilà. Donc, on n'aura pas besoin d'en produire, même si c'est bien d'en produire, ça fait un peu plus de bénéfices. Un peu plus d'argent dans les caisses de l'État. Et bien, vous savez quoi? Tout ça, ça sera dans un prochain épisode. Tout d'abord, on va casser un peu les bâtiments abandonnés. Je savais qu'il y en avait un ici. Il y en aura un là. Oh non, il y en a un deuxième qui prend feu. Bout de corps. Voilà, ben merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un like, de mettre un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas fait, de partager la vidéo. Ça ferait plaisir à Francis Gaming. Et oui, enfantin gamang. Alors, si vous voulez vous abonner, mettez un. Si vous voulez vous abonner, vous allez sur Enfantin Gaming. Ensuite, vous appuyez en haut à droite de
abonner, vous appuyez ensuite, vous mettez un like sur la vidéo parce que c'est important pour enfanter Gamang. Ensuite, vous mettez un commentaire, ça fera toujours plaisir pour savoir votre opinion sur, sur la vidéo. Et on te retrouve pour un prochain épisode. Et ben, vous savez quoi? À ciao tout le monde!